J'aimerais que vous le fassiez avec tout le respect dû à Dieu. And with the mind that he's the highest, the greatest, and the most important person avec ceci in this place. Avec ceci en tête qu'il est la plus grande, la plus haute, I want us la plus to give a resounding applause to the King of Kings. J'aimerais que vous applaudissiez très fort vers le roi des rois. Jehovah is his name. Jehovah is his name. Jehovah is his name. Jehovah is his name. Hallelujah. 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 Jehovah Tchidkenu, Jehovah Tchidkenu, the Lord our righteousness, notre justice. Is Jehovah Nissi, the Lord Jehovah our banner, notre bannière. Jehovah Rapha, Jehovah the Rapha, Lord who heals every area of our lives, le Seigneur qui guérit tout domaine dans notre vie. Jehovah Shalom, the Lord our peace, et Jehovah Shalom, l'Éternel notre paix. And Jehovah Shammah, the Lord who is here. Et Jehovah Shammah, l'Éternel qui est là. Lift up the name of Jehovah one more time. He is Jehovah. He is Jehovah. He is Jehovah. He is Jehovah. Hallelujah. 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 Amen. Shall we pray? Father, Père, you are life itself. Tu es la vie en elle-même. Giver of life. Le donateur de la vie. Creator of all things. Le créateur de toutes choses. Our maker. Notre créateur. God. Seigneur. Who sits on the circle of this earth. Qui s'assied sur le cercle de cette terre. Who does what you will without anybody being able to stop you. Qui fait ce qu'il veut sans qu'aucune personne ne puisse l'en empêcher.
blessed be your name. Que ton nom soit béni. God who reached down from your throne. Celui qui atteint les gens depuis son trône. And saved human beings like us. Et sauve les êtres humains comme nous. And gave your son Jesus for our sakes. Et a donné son fils Jésus pour toi. You who give us hope for this life and meaning for the future. Donc il nous donne l'espoir pour cette vie et le sens qu'il faut pour l'avenir. You who gives us eternal life. Donc il nous donne la vie éternelle. You who went to the cross and paid the price for us. Toi qui allais à la croix pour nous et qui a payé le prix pour nous. We lift up your name this morning. Nous élevons ton nom ce matin. Thank you that to come into your presence we don't need any appointment. Merci parce que pour venir dans ta présence on n'a pas besoin d'un rendez-vous. Great men and princes of this world need scheduled appointments, but you, Jehovah, we can just come into your presence. Les grands hommes de ce monde et les princes ont besoin d'avoir un programme et des rendez-vous. Mais toi qui es le plus grand, Seigneur, nous pouvons venir vers toi sans aucun rendez-vous. You who has given us access, unlimited access through the blood of your son. Blessed be your name. Toi qui nous as donné un accès illimité par le sang de ton fils, que ton nom soit béni. You have been our refuge and our fortress. Tu as été notre refuge et notre forteresse. You have been our high tower. Tu es notre tour. You have delivered us from the works of darkness. Et tu nous as délivré des œuvres de ténèbres. Translated us into the kingdom of your dear son. Et nous as mis dans le royaume de ton cher fils. Blessed be your name. Que ton nom soit béni. This morning, O God. Ce matin, Seigneur. Be enthroned. Prends la place du trône. Be magnified. Sois magnifié. Have your way. Fais ton chemin. Sweet Holy Spirit. Doux Saint-Esprit. Move. Bouge. Touch every life. Touche toute vie. Touch even lives represented here. Toutes les vies représentées ici. Transform our lives for good. Transforme nos vies pour le meilleur. Oh Holy Spirit. Oh Saint-Esprit. Let the words of my mouth, que les paroles de ma bouche, and the meditation of my heart, et les méditations de mon cœur, be acceptable unto the Father. Que soit acceptable auprès Open du Père. Our eyes, ouvre nos yeux, that we may behold wondrous things, pour qu'on admire les merveilles, out of thy holy law, de ta sainte loi, in Jesus' name, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Please be seated. Prenez place. Well, we thank God for His faithfulness. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. All the days of our conference. Durant ces trois jours de notre conférence. It's a new thing that God is doing. C'est une nouvelle chose que Dieu est en train de faire. And I think that God has started on a very high note. Et je crois que Dieu a commencé avec une note élevée. And the Bible says the end of a thing is better than the beginning. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. So I know that the next first fire is going to be at another level by the grace of God. Donc je sais que la prochaine conférence du premier feu sera encore à un autre niveau. God has been good to us. Dieu a été bon envers nous. God has ministered to us. Dieu a agi au milieu de nous. I know that certain strongholds in our lives have been broken. Je sais que certaines forteresses au milieu de nous ont été brisées. David said he delivered me from my enemies because they were too strong for me. La Bible dit que David dit qu'il a été délivré de ses ennemis parce qu'ils étaient trop plus forts que lui. God has delivered you from things that are too strong for you. Dieu vous a délivré des choses qui sont plus fortes que vous. And we are leaving here as more than conquerors. Et nous quittons cet endroit plus que vainqueurs. The Bible says, la Bible dit, that in all these things we are more than conquerors. Que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. It didn't say out of all these things. Il a pas dit à partir de ces choses. Or outside these things. Ou à côté de ces choses. In them. Mais dans ces choses. So our lives may not be perfect to the human eye. Donc peut-être nos vies ne sont pas parfaites aux yeux humains. But I came to comfort your hearts that God will use it all. Mais je veux vous consoler. To the expected end. Que Dieu va utiliser tout cela pour vous amener à la bonne fin. Your home may not be the most perfect home. Et votre maison, c'est peut-être pas la meilleure des maisons. You yourself may not be in the most perfect place. Vous peut-être vous n'êtes pas au meilleur ou l'endroit le plus parfait. But the master planner is not you, it's God. Mais le maître de plan c'est pas vous, c'est Dieu. So hold on to God. Donc accrochez-vous à Dieu. I told you on the first day. Je vous ai dit le premier jour. That many floods will come. Que beaucoup d'inondations viendront. And the storms will beat vehemently against your house. Et les torrents vont battre violemment sur vos maisons.
But may you build your house on the rock so that you will stand. Mais je prie que vous puissiez construire vos maisons sur le rocher pour que ça tienne. As you get on to the older teen years. Alors que je parle aussi aux adolescents un peu plus âgés. May you not abandon Jesus. N'abandonnez pas non plus Jésus. May you not be deceived by the enemy. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. To go into drugs, wrong company, and all sorts of things that will destroy you. De vous laisser aller dans la drogue, dans la mauvaise compagnie ou toutes choses qui vont vous détruire. I've told you that you are the future and the next generation. Je vous ai dit que vous êtes l'avenir et la prochaine génération. I know that in my old age, by the grace of God, I will still be ministering. Et je prie que jusqu'à mon âge avancé, par la grâce de Dieu, je continue à prêcher. Et quand je reviendrai en Suisse, beaucoup d'entre vous seront des pasteurs, des grands hommes ou femmes and de I Dieu. Will see you bring many Swiss people and others outside the church of God to the saving knowledge of Jesus Christ. Et vous ramènerez beaucoup à la connaissance du Fils de Dieu. Whenever Satan knows that God has a plan for your life, à chaque fois que Satan sait que Dieu a un plan pour vous, he will try through deception. Il va essayer de vous éloigner de cela par God's plan. Par la tromperie pour dévier la volonté de Dieu, le plan But de we Dieu. Are more than conquerors, so we will win. Nous sommes plus que vainqueurs et nous allons vaincre. I pray that you will go with the fire of the Holy Ghost. Je prie que vous allez avec le feu du Saint-Esprit partout où vous irez. Don't disappoint God. Ne décevez pas Dieu. And don't disappoint us. Et ne nous décevez pas. Don't let our labor in your lives be in vain. Que tout le travail de notre vie pour vous ne soit pas vain. But fight to stay on the narrow road. Mais combattez pour rester sur le chemin étroit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. This morning I'll be very brief. Ce matin je serai très bref. It's just a conclusion to say bye bye. C'est juste une conclusion pour dire au revoir. Amen. Turn your Bibles to Revelation chapter 3 verse 16, which was our theme verse. Revelation chapter 3. Apocalypse 3 verse 16. Verset 16. Are you there? So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. Verse 17. Revelation chapter 3, verse 17. Apocalypse 3, verset 17. Are we there? I would that you were hot or cold. No, that's 16. I would. God says that I wish that you were hot or cold. So we've learned about all that and on a appris sur how ça. Many of you have decided to be hot since your first fire? Combien ont décidé d'être en feu hot for Jesus, depuis maintenant? Hot for the things of God, chaud on fire pour les choses de Dieu, en feu for the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Now, if we choose to be hot and not lukewarm, si nous choisissons d'être bouillants then et pas tièdes, it means that we are also choosing to be on the narrow road. Ça veut dire aussi qu'on décide d'être sur ce chemin étroit. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7, verse 13. Verset 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Amen. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. The Bible says that we should try to enter in at the gate that is small. La Bible dit ici que nous devons essayer de passer par cette porte qui est étroite. So as there's hot and cold, there's also broad and narrow. Alors qu'il y a cette porte étroite, il y a aussi cette porte qui est large et spacieuse. And there's straight and wide. Et il y a aussi des chemins aussi larges et étroits. And all that God does is to advise us that enter ye in at the straight gate. Et ce que Jésus ici essaie de nous dire, c'est de passer par cette porte étroite. And he gives us the reason. He says, wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction.
Il nous donne ici la raison, il dit large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. In the Christian life, there are two gates. Dans la vie chrétienne, il y a deux portes. There's a narrow gate and a wide gate, or a straight gate, if you like. Il y a une porte étroite et il y a une porte large. And the Bible says that there's also another gate, like I said, which is wide. And it tells us why we should choose the narrow gate. Et il nous explique ici que dans cette porte large, il nous montre où est-ce que ça finit et nous donne la raison pour laquelle il faudrait plutôt choisir la porte étroite. It gives us the reason in verse 14. Il nous donne cette raison au verset 14. He says, because straight is the gate and narrow is the way which leads unto life. Et il dit, étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. This narrow road is leading to life, but there are few who find it. Ce chemin étroit mène à la vie, mais il y en a peu qui le trouvent. This is what tells me that the Bible is true. C'est ce qui me montre que la Bible est vraie. Because many of us, if we were writing about our way, we would say that, oh, the way is broad. Many people know that it's good. Many people would like to be on it. And many people, you know, we are popular and it's a good thing. But the Bible doesn't say that. It says that, look, I've presented two gates. I've presented two ways. But unfortunately, most men choose the broad gate. Et si nous, on devait décrire le chemin dans lequel on se trouve, on dit, mais tout le monde fait la même chose, donc c'est un chemin spacieux, parce que d'ailleurs, c'est tout le monde qui fait ça, c'est populaire. Mais la Bible ne décrit pas les choses comme ça. Il dit qu'il n'y a que deux chemins. And it gives us the reason why the road, the gate is broad on the other side, and the road is also, the gate is wide and the road is broad. Et donc, il décrit comment est cette porte qui est large et qui est ce chemin qui est large aussi. It says because it leads to destruction. Et il dit, ce chemin-là conduit à la perdition. And the many reasons why many choose it is because it's easy. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens choisissent cela, c'est parce que c'est facile. When a road is broad, it has many lanes, it moves faster, it's easier to drive on, and you cannot imagine that it leads to destruction. Et quand le chemin est large, il y a plusieurs voies, on peut rouler beaucoup plus vite et plus facilement, on ne se rend pas compte qu'en réalité ça conduit à la destruction. And many times, many, many people would like what is comfortable and what is easy to do. Et beaucoup de gens, malheureusement, préfèrent choisir ce qui est facile et ce qui est simple à faire. It is natural, but it is not spiritual. C'est naturel, mais ce n'est pas spirituel. But if you have a narrow way, you have to wait your turn. This one is now going. It will be slow. It won't look like it will yield anything. You'll be sweating. You'll be frustrated. You don't know what to do. And it doesn't look like a gate that will lead to life. Et si vous décidez d'être sur ce chemin étroit, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui est devant vous. Il faut attendre. C'est frustrant. C'est embêtant. Mais c'est ce chemin-là qui conduit à la vie. In the kingdom of God, it is often opposite to the things of the world. Dans le royaume de Dieu, c'est souvent opposé aux choses du monde. In the world, if you want to be great, you become proud. But the Bible says that if you humble yourself, then God will lift you up. Dans le royaume de ce monde, on dit si vous êtes fier et orgueilleux, alors c'est comme ça qu'il faut être pour être grand. Mais dans le royaume de Dieu, on dit pour être grand, il faut être humble et petit. In the kingdom of God, they say that when you give, the Bible says that when you give, you rather get more, and when you save, you turn to poverty. How can that be? Et dans le royaume de Dieu, on dit, quand tu donnes, tu peux devenir plus riche, et quand tu épargnes en excès, tu vas devenir pauvre. Mais pour les gens de ce monde, ils disent, mais c'est pas possible. And then it says that when you choose the narrow gate, it will rather lead to life. And when you choose the broad gate and the wide gate and the broad way, rather, it will lead to destruction. Because the kingdom of God is opposite to man's thoughts. Et donc le royaume de Dieu, on vous dira aussi que le chemin étroit conduit à la vie et le chemin large conduit à la perdition. I came to encourage you to choose the narrow gate. Je suis venu vous encourager à choisir ce chemin étroit. And to choose the narrow way. Et à choisir cette porte étroite aussi. Because it may seem to be more difficult, but it pays off in the end. Parce que ça peut paraître être plus difficile, mais ça paye à la fin. It's easier to go into drugs. C'est plus facile d'aller dans la drogue.
It's easier to have bad friends and bad company. C'est plus facile d'avoir des mauvais amis et une mauvaise compagnie. It's easier to be rude than to be polite, isn't it? C'est plus facile d'être impoli que d'être poli. Rudeness is far easier. Insults are easier than to be polite and respectful. La politesse et les insultes, c'est plus facile que de vous restreindre à la politesse et au bon. It's easier to be rebellious than to be subject to authority. C'est plus facile d'être rebelle que d'être sujet à l'autorité. And the wide gate and the broad way is littered with all these easy things. Et donc cette porte étroite, cette porte large et ce chemin spacieux conduit vers toutes ces choses-là. It's easier to be loved by the world than to be shunned by the world. C'est plus facile d'être aimé par le monde que d'être hué par le monde. Seemingly. Et c'est comme ça. It looks apparent. Ça paraît comme ça. But in the end, when you choose life, everybody will be gone and you will be standing. Mais à la fin, quand vous aurez choisi la vie, tout le monde sera loin, mais vous vous tiendrez là seul debout. Because you chose life. Parce que vous aurez choisi la vie. Now, some of us we walk on the narrow way a bit, then later we come and walk on the broad way a bit. Et donc certains d'entre nous, on marche sur le chemin étroit un temps, et puis après on va sur le chemin spacieux un autre temps après. If whilst you are driving or you are walking, wherever you are going, you move from one road to the other end, you don't know what you are doing, you are likely not to reach anywhere. Et dans votre vie, quand vous conduisez, vous passez d'une ligne, d'une voie à une autre, et puis vous changez à chaque fois comme ça, certainement vous n'arriverez pas à destination. So choose not to be lukewarm, but to be on fire. Choisissez de ne pas être tiède, mais au contraire d'être bouillant et en this feu. This morning, I want to speak to you about your double life. Et ce matin, j'aimerais vous parler de votre double vie. In all of life, we will always have choices. Dans la vie, on a toujours des choix. That's why I've spoken to you about the narrow gate, the wide gate, the narrow way, the broad way, hot and cold, because you will always have choices. C'est pour cela que je vous ai parlé de ce chemin étroit, de ce chemin spacieux. Je vous ai parlé de cette porte étroite et de cette porte spacieuse. Je vous ai parlé d'être chaud ou d'être froid. But you can't be both. Mais vous ne pouvez jamais être les deux. Amen. Amen. Some of us, we have received Christ, but we don't change completely. We don't allow our conversion to affect every aspect of our lives. Certains d'entre nous, on a reçu Christ, mais on ne laisse pas que notre conversion change tous les domaines de notre vie. So we live a double life or a life with double standards. Donc on vit une vie double ou une vie avec deux standards. It is the state of having two personalities and two natures embodied in one person. C'est l'état d'avoir deux personnalités et deux façons de faire dans une personne. You have one life in public and one life in private. Vous avez une vie en privé et vous avez une autre vie pour le public. You have a church life and then away from church life. Vous avez une vie de l'église et vous avez une vie hors de l'église. And unless we see things honestly, God cannot help us. Et à moins de voir les choses honnêtement, Dieu ne peut pas nous aider. Because then you'll be suffering from self-deception. Parce que comme ça, vous continuerez ainsi de par votre propre tromperie. In the Bible, somebody was like Samson. He had a double life. Et dans la Bible, une personne comme ça, c'est Samson. Il avait une double vie. He was separated unto God from his birth. Il était séparé pour Dieu dès sa naissance. He was not supposed to take alcohol. Il n'était pas censé prendre de l'alcool. He was not supposed to come near dead bodies. Il n'était pas censé se rapprocher d'un corps mort. He was separated fully unto God. Il était séparé complètement pour Dieu. And yet, on the other side, et d'un autre côté, he had a place of finding pleasure in the wrong things. Il avait sa façon de chercher son plaisir dans les mauvaises choses. He would always fall in love with the wrong things. Il tombait toujours amoureux de la mauvaise personne. He would fall in love with people who don't know God. Il va tomber amoureux des gens qui n'aiment pas Dieu. Any woman he saw and he wanted, he would just take. Toutes les femmes qu'il voit et qu'il aime, il la prend. He would forget that he was special and separated unto God. Et il oubliait qu'il était spécial et mis à part pour Dieu. And it was this type of in between choices, choosing here and choosing here,
that led to his destruction through a woman. Et c'est cette façon de vivre toujours entre deux, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, qui l'a conduit vers cette femme qu'il a perdue. Some of us are spiritual and carnal. Certains d'entre nous, nous sommes et spirituels et charnels. So we are spiritual. We know God. We read our Bibles. We walk with God. We come to church, but we also have a carnal nature. On est spirituel, on va à l'église, on lit la parole de Dieu, on écoute le sermon, mais on a aussi un autre genre de vie qui est charnel. Just like Samson. De la même sorte que Samson. Amen. Amen. But this morning, I pray that at the end of all these conferences, we will choose to be spiritual and not carnal. Mais ce matin, je prie qu'à la fin de cette conférence, que nous choisissons d'être spirituels et pas charnels. Some of us have two tongues, just like the snake. Certains d'entre nous ont deux langues, exactement comme un serpent. The Bible says that a deacon or somebody who works in the things of God must not be double-tongued. La Bible dit qu'un diacre ou une personne qui sert Dieu ne devrait pas avoir un double langage. We are in the church, but our tongues say other things outside church or amongst our friends. Nous sommes à l'église, mais à l'extérieur, notre langue parle et a un langage complètement étranger à l'église quand on se retrouve avec nos amis. Are you a double agent? Est-ce que vous êtes un double agent? Are you God's agent and Satan's agent? Est-ce que vous êtes un agent de Dieu et en même temps un agent de As diable? As the person next to you, are you a double agent? Pose la question à ton voisin, es-tu un double agent? Who do you work for? Pour qui travailles-tu? But this morning, I'm going to be ending soon, and I just want to talk about how we worship God with our mouths, but we rebel in our hearts. Et ce matin, je vais parler sur comment on arrive à adorer Dieu avec notre bouche, mais on fait complètement autre chose avec notre cœur. With our mouths, we say, "Oh, you are great, you are our Lord, Jesus, you are Lord," but in our decisions, He is not Lord. Avec notre bouche, on dit, Seigneur, tu es grand, tu fais des choses merveilleuses, mais avec notre cœur, nos décisions sont complètement autres. Your flesh is God. Ta chair, c'est ton Dieu. It's your flesh that is king and Lord. What the flesh says, that's what you do. Ta chair, c'est ce qui est ton Dieu et qui te dirige. Ce qui te dit, c'est ce que tu finis par faire. But when you are a born again Christian, your Lord is Christ. Your Lord is God's word. Jesus is the word of God. And that is your Lord, not your flesh and how you feel. Mais quand tu es né de nouveau, ton Seigneur, c'est ton Dieu, c'est lui le Seigneur de la parole de Dieu que tu lis, et c'est lui qui devrait te diriger, et plus ta chair. Turn your Bibles to Isaiah 1, verse 13. Allez dans vos Bibles, dans Isaïe, chapitre 1, verset 13. Amen. Amen. So we can be double. We can have a double life in various things. Donc, on peut avoir une double vie dans plusieurs choses, double langue dans plusieurs choses. One is worshiping with your mouth, but rebelling in your heart. Un, c'est de louer Dieu avec votre bouche, mais d'être rebelle dans votre cœur. In Isaiah, God says to the people of Israel, "To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. I cannot away with it." Isaiah 1:11-13. Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons, the Sabbaths, the calling of assemblies. I cannot. The calling of assemblies, meetings. I cannot away with it. It is iniquity, even the solemn meeting. Il dit, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations aux réunions. C'est toutes les réunions parfois qu'on fait qui n'apportent pas forcément toute la gloire à Dieu. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. God was tired of their hypocrisy. Et Dieu l'a été en colère contre l'hypocrisie. And when it becomes like that, God says, "Away with it! I'm tired. I don't like this. You are not serving me, but you are bringing me sacrifices. You are not serving me, but you are behaving as if you are. I'm tired." The Bible says that these people honor me with their lips, but their hearts are far removed from me. Et ici, Dieu dit, quand votre cœur ne suit pas ce que votre langage dit, vous venez me dire que vous m'adorez, mais alors que dans votre cœur, vous ne faites même pas ce que vous dites, alors ce que vous faites, ça n'importe pas. Vaut mieux cesser de faire autre chose que faire ce que vous faites. Donc, loin de moi, toutes ces choses-là. Sometimes,
When people are at a certain age, they have met a man, and then he says he loves them. And later, when they go to the mall, they say that he's walking with somebody else. That's how God feels. Et quand parfois on a un certain âge, et on rencontre un garçon qui nous dit qu'il nous aime, et que plus tard on se balade quelque part et on apprend que ce même garçon sort avec une autre fille, le sentiment qu'on a, c'est le même sentiment que Dieu a. And then when he calls you, or when he has called them, he speaks to them so nicely, so they feel that they are his moon and they are his stars. Then later they find out that somebody else was his son. So where do you stand? Et donc quand après, il vous appelle, il vous déclare des belles choses, que vous êtes sa lune, vous êtes son étoile. Mais plus tard, vous apprenez qu'il a dit la même chose, mais sauf qu'il a dit à l'autre fille que lui, celle-là est son soleil. Donc vous, vous vous retrouvez quoi? Vous vous retrouvez où dans cette histoire? It's that same way that God feels. C'est de la même façon que Dieu ressent les choses. We say we love him, but we spend time elsewhere. On dit qu'on l'aime, mais on ne passe pas le temps qu'il faudrait avec lui. On le fait we ailleurs. Never speak to him. On ne lui parle pas. We never speak to him in prayer. On ne lui parle jamais en prière. He never gets the moment to tell us what he thinks and what he feels. On ne prend pas le temps de lui dire ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. And sometimes when he is speaking through his Holy Ghost, we just shut him up and we turn our attention to something else. Et parfois quand il nous parle par son Esprit Saint, on préfère l'éteindre ou on préfère juste ne pas écouter pour se couper d'autres choses. He's always buying us presents, giving us things in this life to make our lives a blessing. And then when we take the presence of love, the presence of oxygen, the presence of life, the presence of Jesus Christ, we just take the presence and we say, we want the things you will give us, but we don't want to know you. Et il est toujours là à nous donner tellement de bonnes choses pour montrer son amour envers nous par sa présence, la présence de son amour, la présence de l'oxygène, la présence simplement, sa présence à lui et bien d'autres choses. Et on se dit non, en fait, on préfère simplement ce que tu nous donnes, mais on ne veut pas celui qui donne. And so our relationship with him is wishy-washy. Et notre relation avec lui n'a pas vraiment de sens. And God is saying, I wish you were hot. Et ici, Dieu dit qu'il veut que nous soyons plutôt bouillants. When I was younger, I used to see having my quiet time as a duty more than as a privilege. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais mon temps de dévotion plus comme un devoir que comme quelque chose que je voulais vraiment faire. When I was in high school, so if I forgot to have my quiet time on Monday and it was Thursday, then I'll pile all of them up and sit down and do all. Et quand j'étais beaucoup plus âgé, j'allais à l'école toujours, et que j'avais oublié de faire mon temps de dévotion jusqu'à mercredi, je compilais tout ce que j'avais raté jusqu'à mercredi. Je dis, je vais tout faire ça en un seul jour. Comme ça, je rattrape mon Because retard. Because I didn't understand that it was about relationship, not a duty that, let me see, have I spoken to him this week? Monday I didn't, Tuesday I didn't, Wednesday I didn't, so Thursday I've remembered. Let me put it all together so that when he marks the book, he will see that I have passed. But it was more of God just yearning for me to come into his presence and me also running after him with all the love in my heart so that he will speak to me through his word and I will also speak to him. Et je ne comprenais pas que en réalité ce que Dieu voulait c'était une relation et pas un devoir. Donc je me disais que jusqu'à jeudi si j'avais tout raté, je préférais compiler ce que j'avais raté pour que en réalité Dieu puisse me dire voilà, tu as bien fait. Voilà la bonne note que tu as, tu passes. Mais en réalité, ce que Dieu cherchait, c'était vraiment de développer une vraie relation avec lui pour que je développe quelque chose ensemble avec lui. Amen. Amen. And sometimes we are like good and then also bad. We mix the two. Et parfois aussi, on est bon et on est mauvais et on mélange Hosea les deux. Hosea 6 verse 4. Your goodness is as a morning cloud and as the early dew, it goeth away. Et dans Osée, chapitre 6, verset 4, je vais juste lire, il dit, au verset 6, 4, Osée 6, verset 4. Que puis-je faire, te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Judas? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. So in the morning cloud, your goodness comes. By the evening, the next morning, when the dew comes, it's gone away.
Et donc le matin, ta nuée de joie se montre. Mais jusqu'au lendemain, il n'y a plus rien qui reste. C'est comme de la rosée qui se dissipe. That is also a double way. Et donc ça montre là cette façon. It's like we are good now, and then later we are another way. We are not consistent in our walk with God. Et c'est comme si aujourd'hui on est bon à un moment donné, et le lendemain on n'est pas bon comme on devrait. Et c'est comme si on n'est pas constant et consistant envers Dieu. And I think that the root of all that. Je pense que la racine de tout cela. Is not being close to God. C'est simplement de ne pas être proche de Dieu. And I just keep getting this message that. God is saying that you need to know him personally. J'ai ce message qui me revient à chaque fois qu'il dit Dieu veut que vous le connaissiez personnellement. Let me ask you, whenever there's a crisis in your life, what is the first thing you think about? What is the first place you think of help from? Laissez-moi vous poser la question, à chaque fois que vous avez traversé une mauvaise situation, à quoi pensez-vous? Quelle est la personne que vous avez envie d'appeler pour qu'il puisse vous aider? When things don't go well in school, what is your first reaction? Your first reaction, oh, I want mommy to just come and then I will tell her everything. Est-ce que ta première réaction quand tu ne réussis pas à l'école, c'est de dire, je vais appeler ma mère pour que je lui dise tout? There's nothing wrong with that. Il n'y a rien de mauvais à cela. But the first thing that should occur to you is to take it to the Lord in prayer. Mais la première chose qui aurait dû te venir en tête, c'est d'apporter cela en prière vers Dieu. Because mommy has limitations, daddy has limitations, but God has no limitations. Parce que papa a ses limites, maman a ses limites, mais Dieu n'a pas de limites. And it also shows how we have cultivated our relationship with God. Et ça montre aussi ainsi comment on a cultivé notre relation avec Dieu. And sometimes even when you have maybe a crisis in your faith, your mother may be an unbeliever, your father may be an unbeliever. It may not be the time to see the pastor, but God is always there and you can call on him. Et parfois quand on traverse une crise dans notre foi, on ne peut peut-être pas capable de parler à un ami. On n'a peut-être pas le temps ou ce n'est pas le moment de parler à une personne proche de nous. Mais Dieu est toujours là pour nous écouter, nous soutenir. When I was a child, I used to be very disturbed. Whenever there was any argument between my mother and my father, I would become afraid and I would think that my world will fall apart. Et à chaque fois qu'à la maison, il y avait une querelle ou un problème entre ma mère et mon père, ça me dérangeait beaucoup. Et j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Now when I look back, I see that I had a very relatively peaceful and normal life. But for a child, any form of argument unsettled me. Et je réalise plus tard que j'avais une façon relative de voir les choses. Mais pour un enfant, chaque petite chose, même subtile, peut le déranger. But then I had been taught to pray. Mais on m'avait enseigné à prier. So I just used to intercede or pray for my mother and my father. Donc j'intercédais, je priais toujours pour mon père et ma mère. I didn't even know that it meant that you were interceding. I didn't know about intercession. But now when I look back, I think God used me as an intercessor in the home. Je ne savais pas ce que ça voulait dire en réalité, que c'était une intercession en priant pour ma mère et mon père, mais Dieu m'avait utilisé ainsi à la maison pour intercéder. And I prayed in the simplest of form, God, keep them together. God, don't let anything bad happen. God, and God heard my prayers. Et ma prière était toute simple, je disais, Seigneur, s'il te plaît, aide mes parents qui ne se séparent pas. Seigneur, s'il te plaît, agis en eux. Et Dieu entendait toujours les cris de mon cœur. And when I grew up a bit more and I was in the university, then I met many more friends whose houses were battlefields. Et quand je suis allé à l'université, j'ai réalisé que beaucoup de mes amis aussi avaient leur maison qui était en réalité un vrai champ de bataille. And then somebody like Bishop Addy, just as we were about to enter the university, his father, who was the sole person in his life, just passed away. Et quelqu'un que je connaissais bien comme l'évêque Eddie Addy, juste avant d'entrer à l'université, son père qui était tout pour lui venait juste de décéder. When I was in high school, I didn't know that so much of those things existed. But when I came to the university, then I had friends and I saw that everybody's life was different. Et quand j'étais à l'école, je ne réalisais pas que c'était quelque chose que tout le monde vivait. Mais quand je suis allé à l'université, j'ai vu que la vie de tout le monde en réalité était très différente. And his father was married to his stepmother. So as soon as the father died, there was no home for him. He had to move out. Et donc pour lui, quand son père est mort, il s'est retrouvé avec sa belle-mère parce qu'en réalité son père avait épousé sa belle-mère. Et donc là,
Il n'avait plus son père, il devait donc sortir de la maison. So he had to go and look to stay with the extended family in some extended family place. Et donc il devait maintenant se débrouiller pour aller dormir et vivre auprès d'un membre de famille étendu. And then I met Bishop Saki, who at that time didn't know his dad. Et j'ai rencontré aussi l'évêque Saki qui à ce moment-là ne connaissait pas son papa. And his mother was a single parent. Et sa mère était femme seule. So when he was coming to the university, his mother could not even afford a suitcase. So his things were packed in a carton and he came to school. Et quand il allait à l'université, sa mère n'avait pas les moyens pour l'acheter, même une mallette ou un petit sac, et devait mettre tout dans un carton pour venir avec à l'école. And we were all in the same Christian fellowship. Et on se retrouvait tous après dans le même groupe de partage. And they had such a fire for God, such a love, and such a joy that we didn't know that they had problems. Et ils avaient une telle joie, un tel feu pour Dieu qu'on pensait, on n'aurait jamais pensé qu'ils traversaient autant de problèmes dans leur vie. We knew that the problems were there, but I'm saying that they didn't live like people with problems. So all of us related the way we related without thinking that you have a problem. On savait qu'ils avaient des problèmes et qu'ils traversaient beaucoup de choses difficiles, mais jamais ils laissaient cela transparaître. Donc on voyait toujours joyeux et de bonne humeur et on savait que tout allait bien, donc on ne pensait pas qu'ils souffraient en réalité. Christ was our all in all. Et Christ était tout en tout pour eux. Jesus was enough for us. Jésus est suffisant pour nous. We didn't even have the luxury of thinking, oh, life could have been different. Why is it that you have a father I don't have? There was no comparison. There was not even a discussion like that. We would rather laugh at it that, hey, your father, he's wild, pa. So he doesn't look for you at all. Then he would say, at all. And we would just laugh. Et on n'avait même pas le luxe de pouvoir commencer ce genre de discussion en disant « Oh, mais tu souffres chez toi, t'as pas ton père qui t'aide, ainsi de suite. » Au contraire, on en riait, on dit « Hey, mais ton père, en fait, c'est vraiment un dur, hein. Il t'aide pas du tout. » Il me dit « Oui, mais pas du tout, si tu savais. » Et on rigolait comme ça. I had the blessing of having a mother and a father. Et moi, j'avais une bénédiction d'avoir un père et une mère. And so did Bishop. Et donc, et la même chose avec l'évêque. But that had nothing to do with our fellowship and our friendship. It wasn't like you are coming from here and then you are coming from here. Christ was our all in all. Et cela n'avait rien à voir avec les gens qui étaient dans mon groupe de partage. Eux venaient de leur coin et on se rassemblait tous et Christ était tout en tout pour nous. And not once did we have any prayer topic. That was this one's home is broken, help him. As this one, there was no, it wasn't centered on us. It was Christ and he was enough. Et jamais on a eu un sujet de prière d'une personne qui dit « Priez pour moi parce que chez moi ça ne va pas, priez pour moi parce que c'est la crise. » Au contraire, on était toujours joyeux parce que Christ était tout en tout pour nous. And whenever we met, we were meeting in the botanical gardens to have an all night. Then somebody would say, he's got a revelation from here. Wow, powerful. I'm telling you, when you speak in tongues, you can speak to each other. Wow, show me. And then we'll be sharing messages. That was our life. Christ was all in all. Et quand on devait se rencontrer pour prier, on allait dans un jardin botanique et on passait notre soirée à prier, à bavarder, à parler de Dieu. Une personne qui venait avec une nouvelle révélation, qui dit, mais tu sais, en fait, quand tu parles en langue, tu peux aussi communiquer avec quelqu'un. Et puis, je lui dis, mais en fait, c'est écrit où? Et c'était notre sujet de conversation. Christ était vraiment tout en tout pour nous. And then we would have Christian parties. Et on avait des fêtes. And juste we pour would chrétiens. Jam. Et hey. On sautait. Bishop Saki would be invited, he would come to the party. And when the music is played, he would just be jumping. Oh, that's not how to dance. He said, I've not gone to nightclub before. I only know how to dance in the house of God. Et quand l'évêque Saki était invité, he would just be jumping. Il venait à la fête. Quand c'était le moment de la danse, il ne savait rien faire d'autre que simplement sauter. Mais on lui disait, mais tu n'as pas pris d'autres pas de danse. Il dit, mais je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Tout ce que je sais quand on met de la musique, il faut danser, c'est sauter. Ben voilà, je saute. Et c'est juste drôle. But we had found Christ. So when they say that Jesus satisfies, it is true. Et on avait vraiment trouvé Christ. Et quand on dit que Christ satisfait, c'est vraiment vrai. Our lives were not perfect, but we didn't even know that. It didn't matter. Christ was enough. Nos vies n'étaient pas parfaites, mais on le savait, mais on s'en foutait. On ne se concentrait pas sur ça. And by the grace of God, par la grâce God de Dieu, took care of them.
Dieu a pris soin d'eux. God provided in his own way. Dieu a pourvu à sa façon. Sometimes I would even give Bishop Saki something. I said, when you go home, give this to your sister. When you go home, give this to, he will be very happy. But I didn't think of it that, oh, this is charity work, or this is, there's no name. It's just friendship and the love of Christ. Et quand je voyais l'évêque Saki, je disais, écoute, prends ceci, donne à ta sœur, prends ça, donne à ta sœur. Et je donnais ça librement, je pensais même pas que derrière ça, je devais absolument faire, parce que c'est un œuvre de charité. C'est une chose que je dois faire. C'était simplement par amitié, parce que je l'aimais, c'était mon ami. The reason was that Christ had penetrated us even to our marrow. Et la raison était que Christ avait vraiment pénétré en nous, dans tout ce que nous étions. Those days, we didn't have email and all these things you have. Parce qu'on n'avait pas tous ces emails et tous les gadgets qu'on a aujourd'hui. So we wrote to each other during vacation. Donc pendant les vacances, on devait s'écrire pour converser. And the opening statement, you know, in the Bible, there was a man sent from God whose name was John. Our opening statement was, there was a woman sent from God whose name was Adelaide. That's how the person writes to you. Et donc, quand on commençait nos lettres, la première phrase, c'était exactement comme dans la Bible. Quand on écrit, par exemple, dans la Bible, on lit, cet homme, il s'appelait Jean, c'est un homme envoyé de Dieu. Et donc, moi, quand j'écrivais à mes amis, je disais, voici cette femme envoyée par Dieu, et elle s'appelle Adelaide. And that was enough. Et c'était suffisant pour nous. Amen. Amen. I used to call my husband Rabbi as a nickname, because he could really teach the word. I said, hey, Rabbi, you've come. Rabbi, sit down. Rabbi, what will you drink? Rabbi, what... It was Christianity all in all. Et quand j'appelais mon mari qui n'était pas encore mon mari, je le surnommais ou tout le monde le surnommait Rabbi. Pourquoi? Parce que il enseignait et il partageait la parole de Dieu, il prêchait bien et on rigolait par rapport à ça. My point is that the kingdom of God, though narrow, can be exciting. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si le chemin de Dieu est étroit, ça peut être vraiment excitant. Amen. Amen. But we make ourselves like, we've chosen the wrong end of the stick. This narrow way is not easy. What does the world have to offer? Et plutôt de l'autre côté, c'est comme si on se dit, mais oh là là, je me retrouve dans quoi, dans ce chemin si étroit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être choisi le mauvais chemin. Alors que, qu'est-ce que le monde, au contraire, aurait pu nous donner à la place? And God brought us through. Et Dieu nous a fait traverser. Every par time cela. He was faithful. À chaque fois, il s'est montré fidèle. Every year he was faithful. Chaque année, il a été fidèle. When we finished university, we had to go and do a postgraduate. How was Bishop Saki going to pay his fees? Quand on a fini l'université, on devait faire notre postgrad. Comment l'évêque Saki devait payer ses frais scolaires? And then my husband said, "Oh, my father has a hotel and he's looking for somebody to work there." Et mon mari a dit, ah, mon père a un hôtel et il cherche quelqu'un qui pourrait travailler là-bas. But I don't want my father to know that you are linked to me. So you go on your own, go and apply, and then when he asks about you, I'll say, yeah, I know him, and then we'll see what happens from there. Et quand il disait à l'évêque Saki, vas-y toi, va voir mon père et envoie ton dossier de candidature. Ne dis pas que tu me connais. Comme ça, si tu te retrouves là-bas et il t'engage, tant mieux. Et puis voilà, on pourra se voir so et parler. As soon as he went for the interview, he was taken. Et quand il a envoyé son dossier, il est passé à l'interview, il a été pris. And then my father-in-law would ask my husband, there's this guy called Saki. He says he's going to the law school. Do you know him? And my husband would say, yeah, I know him. But that would be all. Et mon beau-père demandait à mon mari, donc à l'évêque, il dit, mais ce garçon-là qui fait le cours de droit, tu le connais? Ouais, je le connais. Vite fait. So we'll go there to visit him, and when my father-in-law is coming, we will go and hide. Et donc, quand il était là, on allait bavarder avec lui. Mais comme mon beau-père arrivait, on allait se cacher, on s'éloignait. And then later, my father-in-law thought that through him, Bishop Saki had become our friend. He didn't know that we were coming with our friendship from long ago. Et donc, mon beau-père finalement a pensé que c'est parce qu'il avait engagé ce garçon-là que finalement il est devenu ami avec nous. Alors qu'en réalité, on se connaissait même avant qu'il soit engagé là. But every step of the way, God provided. Mais à chaque étape de notre vie, Dieu a toujours pourvu. In miraculous ways. D'une façon toujours miraculeuse. When we started the church, Bishop started the church in Kolebu, and we started to travel from University of Ghana to Kolebu, very far away distance, but we were happy and excited about the things of God.
Et quand on devait se déplacer loin pour aller faire les choses de Dieu d'une université à une autre, on était excité par les choses de Dieu. La distance importait peu. And I believe that even up to today, what binds us is Christ. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est Christ. We will go far away where the church had been started. It wasn't too far. We will go there for fellowship. We will wait for one all night, and then even one night, we were leaving from Bishop's Hostel, and as we were walking along the bushes, we looked in the bush. Hey, there was a boy and a girl fornicating. Immediately, Bishop Saki didn't think twice. He just broke a twig and he started to cane them without thinking. Et une fois, on est allé à notre réunion de prière. On a fini la prière, c'était tard le soir. On revenait donc de l'endroit où se trouvait la réunion de prière de partage. Et en sortant, on tombe là dans un petit buisson en passant sur le chemin au noir. On voit dans un petit buisson caché un garçon et une fille qui est en train de faire l'amour. Et sans réfléchir, l'évêque Saki, il a pris un bâton et il a commencé à les frapper sérieusement pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient. Amen. It was holy zeal and holy righteousness without thinking. Et ça, c'était le zèle et la justice qui sortaient de lui sans même qu'il réfléchisse à cela. And at the end of the day, at the end of et à the la day, fin du jour, we came out all right, according to the standards of the world. Tout est revenu à l'ordre selon les standards Bishop de Dieu. Bishop Addy qualified all right. He became an economist. Et l'évêque a dit est devenu aujourd'hui un économiste. Bishop Saki qualified all right. He became a lawyer. L'évêque Saki aussi a réussi à l'université. Il est devenu un juriste. I qualified all right. I became a lawyer. Et moi aussi, j'ai réussi à l'université. Je suis devenu avocat. My husband qualified all right. He became a doctor. Et mon mari aussi a réussi à l'université. When you serve Christ, it looks like you are losing something, but you are actually gaining. It's time to count everything done and set your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Et quand vous êtes en Christ, c'est comme si vous perdez, mais en réalité, vous gagnez énormément. Et quand vous continuez ainsi, Dieu vous fera remporter des victoires et tellement de bonnes choses vous arrivera. Paul said, but this one thing I do. Et Paul a dit cette chose que je Just fais. Just one thing we did. Cette seule chose qu'on a fait. Forgetting what lies behind. Oublions ce qui était derrière. I strive for what lies ahead. J'ai couru vers ce qui était devant. You've got to forget your past. Vous devez oublier votre passé. You've got to forget your issues. Oubliez vos problèmes. You've got to forget the imperfections of your life. Oubliez les imperfections de votre vie. You've got to forget the things that draw you from God. Oubliez les choses qui vous éloignent de Dieu. You've got to do just one thing. Reach for the mark of the high calling. Une seule chose. Courez vers le prix pour remporter la vocation céleste qui est pour vous. The other things will take care of themselves. And God will take care of you. Et les autres choses vont s'organiser parce que Dieu prendra soin de vous de toute façon. When the day came that we're being called to the bar, et le jour est venu où on a été appelé à la barre, a strange man began to come from the back, filing in the mist, milling around the crowd to come to where we were. Getting ready to file past. Un homme étrange est passé du fond de la salle et essaie de trouver un chemin pour venir jusque devant. Please, do you know Emmanuel Saki? Et il m'a dit, s'il te plaît, vous connaissez Emmanuel Saki? Please, do you know somebody called Emmanuel Saki? Et s'il vous plaît, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Saki? And everybody was like, eh, but who is this who doesn't know Emmanuel Saki? That we et have tout to le monde show était him là, Emmanuel Saki. Mais qui ne connaît pas Emmanuel Saki? Pourquoi il pose la question, en fait? It was his father. C'était en réalité son père. Who had been lost for so many years. Qu'il avait perdu depuis who tellement had not paid d'années. A penny. Towards his education. Qui n'a jamais donné même un sou pour sa formation scolaire. Who had rejected him? Qui avait rejeté Because son Because when fils. His mother was pregnant with him, he was in the womb. That's when the father left. Parce que quand sa mère était enceinte, son papa l'a quitté. So he had two twin brothers before him, the same father, but he provided for them. But the one in the stomach, he didn't want to know. Et il avait deux grands frères qui étaient des jumeaux. Et quand le papa était là, il a tout pourvu à eux. Mais quand sa maman est tombée enceinte, c'est là que le papa s'est barré. Some things happen to you because you are a child of destiny. Il y a des choses qui vous arrivent parce que vous êtes le fils de la destinée. And sometimes Jesus wants to prove to you that he's enough. Et parfois Jésus veut juste vous prouver qu'il est suffisant. The God who is more than enough, El Shaddai. Le Dieu qui est plus que suffisant, c'est El Shaddai. And when he saw his son, he didn't know him.
Et quand il a vu son fils, il ne le reconnaissait même pas. He says, I'm your father. Il a dit, je suis ton père. And after he wanted to take pictures with him. Et après, il voulait prendre des photos avec son in fils. In his gown and in his wig. Là, il voulait prendre des photos avec lui. And he told me when he went to his father's house for the first time, he had enlarged the picture of his wig and his gown as a lawyer and put it on the wall. Et il a dit plus tard, quand il était allé visiter son père, il a vu que dans la maison de son père avait agrandi la photo où il était là avec sa cape et la tenue qu'il avait reçue le jour de la remise de diplôme. And not many years from now. Et quelques années après, after he qualified, he started to help his father. Quand il a fini sa formation, il a commencé à soutenir son père. He was not filled with bitterness because Jesus was enough. He wasn't looking for anything. Et il n'était pas rempli d'amertume, bien au contraire, il savait que Jésus avait rempli sa vie. He didn't feel that the man owed him anything. In spite of it, God has looked after me. God has brought me through. There's no room for bitterness. Et il se disait, mais de toute façon, je ne peux pas avoir de l'amertume, même s'il n'a pas pris soin de moi. Jésus est complètement en moi et a rempli toute ma vie. A few years ago, his father was not so well and needed a wheelchair. Il y a quelques années, son papa n'allait pas très bien, il avait besoin d'une chaise roulante. And Bishop Saki took the wheelchair to him. Et l'évêque Saki lui a acheté une chaise roulante et l'a amené à lui. The man broke down and started to cry. Et là, le papa s'est effondré en larmes. He said, thank my son for me. Il a dit, mais remerciez mon fils pour he moi. He should be angry with me, but he's not. Parce qu'il aurait pu être en colère contre he moi, should mais il be bitter, but he's not. Il aurait pu être amer contre moi, mais il n'est pas. He doesn't owe me anything, and yet he's the child of all my children. Who cares for me the most? Il ne me doit rien du tout, mais pourtant, de tous mes enfants, c'est celui qui me soutient le plus. Please tell him to forgive me. S'il te plaît, dites-lui qu'il puisse me pardonner. Bishop Saki started crying and said, Daddy, it's okay. Et l'évêque Saki a commencé à parler, a dit, mais c'est bon, papa. Because God took care of me. Parce que Dieu, c'est lui qui a pris soin de moi. God was enough. Dieu était suffisant. If you don't have anything and you have Christ, si tu n'as rien d'autre que Christ, you are okay. Tout va bien. When the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Quand la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. All other things. Toutes les autres choses. Oh. Toutes. When we went to university, we would go on holidays, our fathers would take us, whatever, and we'll come and meet Bishop Saki in Ghana. Et quand on était à l'université, nos parents nous amenaient en voyage, et quand on revenait de vacances, on revenait au Ghana, et l'évêque Saki n'avait pas voyagé, il était toujours là. And then one day, et un jour, a man came to the hotel, German man. Un homme, un Allemand est venu à l'hôtel. When he was leaving, he said, I want you to come to Germany because you have been such a good person to me. Il est venu, il a dit à l'évêque Saki, je veux que tu viennes en Allemagne avec moi parce que tu étais tellement bon pour me servir. So he sent the ticket and everything. We went to see Bishop Saki off and he was off to Germany. Et là, on l'a aidé à emballer toutes ses affaires. Et on l'a conduit jusqu'à l'aéroport pour son voyage pour l'Allemagne. For different vacations. Et toi, tu es là, tu cherches à voyager depuis longtemps. You don't know the God who can give you without your efforts. Tu ne connais pas encore ce Dieu qui peut te donner sans que tu puisses faire quoi que ce soit comme effort. That is why you must stop playing games. Stay on the narrow road because it will lead to life. C'est pour cela qu'il faut que tu t'arrêtes de t'amuser avec Dieu. Reste sur ce chemin étroit. Stop being a double life, a person with a double life here and there. Et arrête de vivre cette vie double que tu mènes, être ici et là en même temps. Faithful is he who promised. Fidèle est celui qui a promis. I am an example of God's faithfulness. Je suis un exemple de la fidélité de Dieu. I was laughed at many times about my faith. On s'est moqué de moi plusieurs fois à cause de ma fidélité. I was scorned for what I believed. On s'est moqué de moi pour ce en quoi je croyais. At a point, I looked like a mad person in my house. I was alone, and I looked so queer. Et à un point, c'était comme si j'étais complètement folle chez moi à la maison parce que on m'observait, on me regardait, on me prenait pour une personne tout à fait étrange et bizarre. But not long ago, my big sister said to me, "If God hadn't put you in our lives, what would we do?" Et il n'y a pas longtemps encore, ma sœur est venue me dire, si Dieu ne t'avait pas mis là dans nos vies, que serions-nous devenus? It was through my husband that Prophet Kakra became born again. C'est par mon mari que mon frère Kakra est né de nouveau. And then he sent Prophet Kakra off to uni and said, when you go, start a church.
Because he had been out for a year. So when you go start a church in the hospital. Et quand il a vu quelqu'un, il a dit, écoute, je t'envoie là où tu vas pour ta formation, jamais que tu puisses commencer une église. Before I knew, Christ had come into Reverend Jude's life. My brother, who is a pastor in Sheffield, Lighthouse pastor in Sheffield, he also became serious in the things of God. Et avant que je réalise quoi que ce soit, un de mes frères qui est à Sheffield est devenu pasteur en ce moment-là aussi. Il a connu Christ, qui est pasteur là-bas, il a connu Christ en ce moment-là. And the Pastor Kaker's twin became our pastor in America. Et le jumeau de Pasteur Kakra became a Christian and he became a pastor in America. Et le jumeau de mon frère Kakra est devenu aussi, est né de nouveau et est devenu plus tard aussi pasteur. My big brother became born again. My sisters, I never said to them, join Lighthouse. They joined. They are in the church. Mes sœurs, mes autres frères, eux tous, je les ai invités formellement à l'église Lighthouse, mais ils sont eux-mêmes venus et ils sont sauvés. What would have happened if the grace of God did not keep me on the narrow path? Que serait-il arrivé si Dieu ne m'avait pas gardé sur ce chemin étroit? I didn't know that through us, God would pull all these people, including Pastor Marus, into the kingdom of God. Je ne savais pas que par tout ceci, Dieu aurait fait toutes ces choses-là par moi, y compris Pastor Marus dans le royaume. Pastor Marus was a bad boy in the world. C'était un mauvais garçon dans le monde. And he was a close friend to my brother, Prophet Kakra. C'était un ami très proche du prophète Kakra. And so through Prophet Kakra being born again, Pastor Marius's life was also saved. Et donc comme mon frère, le prophète Kakra est devenu et né de nouveau, la vie de Pasteur Emmaüs a été aussi affectée. It started with the grace of God on my life to stay on the narrow path. Ça a commencé par la grâce de Dieu dans ma vie de demeurer sur ce chemin étroit. God will do more through you than you can ever imagine or think of or even ask him for. Dieu va faire à travers vous plus que vous pouvez imaginer ou même demander. Finally, I want to end with 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Et j'aimerais finir avec 1 Corinthiens 15 verset 58. I want to encourage you. J'aimerais vous encourager. Don't give up. N'abandonnez pas. Don't go back. Ne retournez pas. Some of you are ministering in the church powerfully. Later you tell us you don't come to church again. You don't believe in God again. We curse that spirit in Jesus' name. Certains sont là et vous servez Dieu avec tellement de puissance à l'église. Et puis après un temps, vous dites, je ne veux plus venir à l'église, je ne veux plus servir Dieu. Mais on ne veut pas ce genre de discours. On maudit ce genre d'esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens 15. Verse 58. Verset 58. Please get to know God. Connaissez Dieu s'il vous plaît. Get to know the Bible. Connaissez la parole de It Dieu. It is life. C'est la vie. Get to be grounded in the house of God. Soyez plantés dans la maison de Dieu. Your life will be good. It will go well with you. Vos vies iront mieux, ce sera bien pour vous. Verse 58. Verset 58. Therefore, my beloved brethren, ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, be steadfast, soyez fermes, immovable, inébranlable, always, toujours, not in summer, pas en été uniquement, not only in winter, pas seulement en hiver, not only in spring, pas seulement au printemps, not only in autumn, pas seulement en automne, not only when things feel good, pas seulement quand les choses se passent when bien, when things feel hard, ou quand les choses sont difficiles when pour vous, when things seem impossible, ou quand les choses semblent always impossibles, always abounding in the work of the Lord, mais travaillez toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, knowing that, en sachant que in the Lord, dans le Seigneur, your labor, votre travail, is not in vain, n'est pas sans résultat. Can I see some steadfast people here? Est-ce que je peux voir des personnes fermes ici? Immovable people, des personnes inébranlables, who have set their feet on the narrow way and are not looking back, qui veulent mettre leurs pieds sur ce chemin et who are pas pledging allegiance to the Master, come hell, come high water, qui vont prêter allégeance à l'Éternel même dans les eaux tumultueuses. I pray that God will keep you. Et je prie que Dieu vous garde. He will keep you from the evil one. Qui vous garde du mauvais.
Lord, lead us not into temptation. Seigneur, ne nous conduis pas à la tentation. Lead them not in the time of temptation. Ne nous conduis pas dans les moments de la tentation. But deliver them from evil. Mais délivre-nous du mal. And keep them by your power. Et garde-nous par ta puissance. And may they be steadfast. Et que nous soyons fermes. May nothing move your children. Que rien ne puisse ébranler tes enfants. May bad times not move them. Que les mauvais moments ne les ébranlent pas. May good times not move them. Que les mauvaises choses ne les ébranlent pas non May plus. May poverty not move them. Que la pauvreté ne les ébranle pas. May riches not move them. Que la richesse ne les ébranle pas. May bad friendships not move them. Que les mauvais amis ne les ébranlent pas. May the pleasures of the world not move them. Que les plaisirs de ce monde ne les ébranlent pas. May the things of the flesh not move them. Que les choses de la chair ne les ébranlent pas. May worldliness not move them. Que la mondanité ne les ébranle pas. But may they always abound. Mais qu'ils puissent toujours abonder. In the work of the Lord. À l'œuvre du Seigneur. And Father. Et Père. Bless them. Bénis-les. For their labor in you. Pour leur travail en toi, will never be in vain. Ça ne sera jamais in en vain. Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.